Mais dis donc, mais tu viens plus, soirée. Alors Dark Messiah, donc le retour de la vengeance d'une blonde. Le retour de l'Égumane. Donc on avait une partie qui était là, en principe elle nous attend, elle nous tend les bras. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle nous attend. Mais ça fait trop longtemps même. L'éclat d'une lame glacée, d'accord, c'était là. Est-ce que je peux éventuellement voir s'il n'y a pas des choses que je peux améliorer, je sais pas quoi, avancer. Ça m'a l'air bien. Hein. Alors moi j'avais arrêté parce que c'était trop dur. C'était trop bien, mais c'était trop dur. Et je m'étais engouffré dans ce jeu en mettant la difficulté moyen ou difficile, je sais plus. Je crois que j'avais mis en moyen. Et je m'en mordillais les doigts. Ah non, on va pas mettre ça. Ah non, mais non, mais c'était x2 à la base. Oh. C'était assez dur hein, quand même. C'est quand même assez dur. On va essayer de faire ça proprement. On va essayer de s'en sortir. La musique, elle est comment? Elle est comme ça. De toute façon, on peut modifier tout ça au souhait. À nos souhaits, à nos souhaits. Et j'ai Arc Fatalis aussi, donc peut-être qu'un jour on fera du Arc Fatalis. Je ne sais pas encore. Écoutez, des sous-titres, peut-être un peu de sous-titres quand même. Oh merde! J'ai fait une connerie là? Non, non. Allez, on est parti. Dark Messiah, c'est tout de suite. Comment ça va, Sweet? J'ai terminé deux jeux. Et je n'avais pas d'autres jeux installés. Donc il a fallu que ce soit Dark Messiah. Putain, par contre, je sais plus du tout. Ok. Ouais. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Je suis plus du tout. Et toi, mon canard? Eh ben, je vais bien. Donc ça et ça. Ouais, j'ai des cibles partout aussi. Il y avait ça aussi. Je pouvais même être accroupi. Ok. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, j'avais des points. Oh là là. Combat rapproché. Archerie. Combat rapproché. Attendez, je peux mettre ça plutôt là-dedans, non? Ah non, c'est là-dedans. Non, je peux pas. Comment ça marchait déjà? Flèche de feu, vision, télékinésie. J'avais des points là, je comprends pas. Point de compétence 1. Pourquoi il veut pas mettre un point de compétence? J'ai l'impression d'être con. Permet de zoomer en utilisant un arc. L'impression que je peux pas mettre. Ah parce que. Attendez, points de compétence, c'est toute catégorie confondue, alors pourquoi? Ah il est bien ce jeu, a priori oui. Hein. L'ambiance, l'univers, tout. Le seul problème, c'est que c'est quand même assez exigeant. Comment dire? Au niveau des combats. C'est un petit peu violent. Mais c'est une découverte. Moi, je n'ai pas du tout joué à l'époque. Bon, écoutez, on va essayer de voir. Juste que j'aimerais bien avoir le rappel de ce qu'il fallait que je fasse. Une lettre d'amour, les saints psaumes, d'être maîtrise du sommeil. C'est le problème, hein, quand on arrête un jeu dans ce genre, quand on arrête et qu'on y rejoue comment 6 mois plus tard. Je peux pas ouvrir. Je vais prendre ton prix. Quelques informations. Le plan du temple, les sorts pour les portes, les pièges. Non. Attendez, si je peux pas augmenter le son, j'ai l'impression que c'est pas assez fort. On va voir. Hein. Peut-être que vous me détesterez parce que le son du jeu serait trop fort. On va voir. Il s'agit de torture, je sais plus trop. Après, on se rappelle plus ce qu'il veut faire. Attendez, je veux juste. Immonde, non mort. Tu vas périr pour de bon.
moi de t'avoir impliqué. Je gagne des points de compétence quand les personnages meurent. Mais le cristal, oh non. Les PNJ meurent. Sarès, il faut suivre cette goule. On se retrouve au navire. Quelle honte. Suivre la goule. Attendez. Piège de feu, feu de glace. Je voudrais... Réduit le bruit de vos pas quand vous marchez. Permet d'emmagasiner là. Comment ça marche? Vous désormais la furtivité, d'accord. Ce qui est bizarre, c'est que je peux pas... Là, je suis obligé de mettre des points là. Tant pis, je vais mettre des points là, je suis obligé. Ce cristal. D'accord. La fille est sans importance. Cette goule a le cristal. Ah, il y a un truc aussi qui m'embête, c'est que c'est extrêmement sombre. Ajuster la luminosité, oui. Moi, je vais le mettre comme ça, ça devrait être mieux. Ouais, tant pis, allez, on y va. Allez, y va. Si elle t'échappe, nous sommes fichus. Attendez, comment je fais pour sortir de là? Je veux sortir. Le cristal, ça, c'est important. Rattrapez cette boule. Commence mal. Là, je trouve ça hyper sombre, quand même. Qu'est-ce qui... Quoi? Oh, mais oui, mais je suis parti trop tard, mais évidemment. Attendez, on reprend. J'ai pas entendu la musique de Passepartout aussi, alors ça m'a perturbé. Je vais prendre ton avis pour partir. Mais j'aurai d'abord quelques informations. Ok. Le plan du temple. Ah merde, pourquoi je me prends des dégâts là? Piège. Non. Quoi? Vraiment. Quand il s'agit de torture. Ah, je peux mourir. Je peux mourir brûlé par une flamme de l'autre côté d'une vitre. Oh, ça commence bien. Zelda, tu vas sauver la princesse. Allez, on va y arriver. Dur quand même. Oh putain. Immortel, tu vas périr pour de bon. Mon oncle! Non! Non! Léana, ma douce. Ok. Allez. Allez là! J'arrive pas à sortir. Si, ça y est. Mais le cristal! J'ai l'impression vraiment qu'il a vieilli sur plein de trucs le jeu. On se retrouve au navire. Bon, une fois, j'y ai pas joué à l'époque, mais on va quand même encore baisser le son aussi. C'est trop fort. J'y ai pas joué à l'époque, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ont vieilli. Un truc de fou furieux. Ah, il est là. Ok. La piste de l'homme mort. Ils l'ont tué. J'ai pas eu le temps de dire le reste. Tu peux la suivre sur les toits. Vite. Un cul-de-sac. Et c'est l'autre côté. De l'autre côté. Ah, qu'est-ce que tu attends? Mais c'est du feu! Dangereux! Ah, on peut passer par là! La voilà! La voix, elle ne m'échappera pas! Ah, on peut les jeter tellement fort les. Saute! Tu peux y arriver! Je voudrais juste récupérer la vie. J'ai pas de soin. Cette saleté est sûrement passée par le haut. Ok. On n'a pas le temps. Il faut traverser. Allez,
donne un coup. Voilà. Attention, c'est pas... Ce n'est pas le moment d'hésiter. Ah, purée. Berlingot. Vous ne survivrez pas. Vous ne survivez pas à cette chute, merde. Oh, putain, par contre, il faut que je pense à faire des quick save. Ah non, ça va, il est gentil, il m'a remis là quand même. Cool. Je sais pas si je peux me soigner par contre. Oh putain. Allez, 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 allez. Allez. Tu n'as pas le choix, saute! Comment je peux faire pour... Comme ça? Ok. Ah, salopard. Comment je fais? Elle serait partie vers la gauche? C'est dur. C'est dur en crever, là. C'est pas une expression. Doucement. Ah, par contre, le début, comme ça, c'est hyper scénarisé, quand même. Ok. Bah, dites-moi, n'hésitez pas à me dire hein, si le son est trop fort, si quelque chose ne va pas. Après, j'essaierai de voir. Hein. J'essaierai de voir. Si je peux corriger... ce problème. Ouf, patienter. Alors attention, est-ce qu'on va patienter pendant des lustres? On meurt trop facilement, ça c'est clair. Ce que j'aimerais, moi, c'est me soigner, mais je pense qu'on peut pas vraiment se soigner, à part si on trouve des choses à manger, peut-être. Infiltrer l'entrepôt. D'accord. Putain, j'ai gagné un niveau. Attendez. On va rapprocher. En fait, d'accord, il faut que ça brille. Bon, on va tout mettre. On va mettre des points partout. Ok. Alors, effectivement, le son est trop fort. Hein. Ouais, ok. On va le mettre comme ça. Je l'ai baissé d'un bon cran, là. Compliqué en même temps parce qu'on passe d'un jeu comme The Stanley Parable ou d'un Stanley Parable like à autre chose et le son je le mettais à fond pour avoir l'ambiance. Là l'ambiance elle est beaucoup trop forte donc forcément. Qui veut un caillou? Il paraît que le raid c'est... J'ai merde. Entendu quelque merde. Chose. Passe à droite. Prends ça. Oh merde, quel enfer. Donc là le problème c'est qu'on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dur. Champignons. Est-ce que je peux manger les champignons et espérer regagner de la vie? Voilà. Voilà, on a... Ouh! Attendez, 50 PV pour le champignon? Vous savez que ces champignons, là? C'est de la champignon... Il y a de la potion magique dans les champignons, quoi? D'accord. Non, moi, ça me va, hein. Pas difficile, mais bon, ouais. Ok. Si vous, ça vous va, moi, ça me va. Je sais pas si on peut avoir de la lumière. Ou est-ce que j'ai une torche sur moi? Je sais plus.
Je regardais vite fait. Au niveau des contrôles, est-ce qu'il n'y avait pas des. Il n'y avait pas une torche, non? Je sais plus. Peut-être pas. Hein. Zoom, capacité spéciale, c'est quoi pire? Non, il n'y a pas de. L'univers a l'air génial en fait. L'univers a l'air génial. Mais comme j'y ai joué il y a un petit bout de temps et que j'ai arrêté, bah, du coup j'ai du mal à me rappeler les tenants, les aboutissants. Forcément. Trouver un moyen de pénétrer dans l'avant-poste des. Oui. C'était quoi? D'accord. Essaie pas de t'enfuir. Ah mais. Attendez. Laissez-moi sortir! Ah putain, cette baston de barre quoi! Les combats, je me rappelle que je galérais. À la fin, je comprenais un peu comment faire, mais. Là, c'est. Tu vas me le payer quand je vais mettre la main sur toi! Tu vas mourir! Il est mort, c'est bon? Il est mort. Les combats, c'est pas ça. Oh, je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait pour. Je sais plus du tout comment on fait le coup de grâce. Incroyable. Limite, il faudrait qu'on recommence le jeu. En plus, il est en mode moyen. Donc il est encore plus dur, forcément. Hey toi! Cette fois on le tient. Prends ça! Ah, il y a des coups, il y a des coups qui marchent pas, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Non! C'est pas exactement ce que je voulais faire. Ah ah. Oh non! Oh non, me dites pas que j'ai réussi à faire planter le jeu! Oh, le jeu de ses morts! Ça, par contre, c'est franchement. C'est scandaleux, hein. Je veux dire, le jeu peut avoir toute la difficulté du monde, bon, pourquoi pas? Mais si ça plante en plus, quelle honte! Sur Steam, le jeu est à 4,99€. Il y a un véritable culte à ce jeu, hein. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le. Qu'ils l'aiment, qui y ont joué à l'époque, donc qui ont peut-être grandi avec ce jeu. Mais moi, non. Du coup, bon, je suis un petit peu extérieur à tout ça, quoi. Mais. J'essaie de comprendre. Mais tu ne m'aides pas! Pourquoi je peux pas le prendre le photo le. Bouge plus ou ça va saigner. Meurs. C'était quoi? Non mais laissez-moi sortir. Ugh.
des ennuis. Ok, j'ai eu un. Je me suis fait mal. Oh, quel enfer. Il y a Battle Gate qui était très bien aussi. Oh, quel enfer. Oh. Ok. C'est horriblement dur. Hein. Il doit sans doute y avoir une strat pour y jouer Fufu ou je sais pas quoi, mais là, le problème, c'est qu'il me détecte dès le début, alors... Bon, il est mort. Ah, je peux prendre son cadavre. Et je peux faire quoi avec le cadavre? Je peux le jeter sur les gens? Épée courte. Ok. L'enfer. J'ai des rations de nourriture. J'ai quoi? J'ai ça. Je peux prendre l'arc et éventuellement essayer de leur tirer dessus. Baldur's Gate, j'y ai pas joué non plus à l'époque. J'avais joué un peu à Arcanum, mais c'est tout. Est-ce que le son, est-ce que ça va mieux au niveau du son? Merde. Ah, mais je peux même pas parer en fait. Je comprends pas comment ça marche la parade. Ok. Quel enfer. Ah oui, puis là il y a des pièges et tout. Il y a des pièges qui peuvent s'activer, ouais. Ok. Oh, ils sont durs à tuer. Ah oui, je me rappelle de ça par contre. Ça, c'est le seul truc dont je me rappelais, c'était que... ils prenaient un nombre de coups à se buter. Quel enfer. Tiens. Et bon, il est mort. Et Loki, ah Loki, je l'ai joué un peu à l'époque où j'avais terminé Titan Quest et je voulais jouer à un autre jeu dans le même genre. Du coup, j'y avais joué. J'avais pas été plus que ça. Merde, le micro il est envoûté. Hein. Le micro est envoûté. Il est marabouté. Si je mange. Et quoi si je mange? Ça me redonne pas beaucoup de vie. Hein. Dis donc, c'est pas terrible. Hein. On va rapprocher. Ah, Loki, ouais. J'avais testé, mais j'avais pas été transcendé, pour être honnête. Il m'avait pas transcendé. Sans doute que je n'ai pas joué dans les bonnes conditions. Je me rappelle que j'avais pas un ordinateur qui était assez puissant et le jeu était pas forcément fluide du coup. Donc ça peut compter aussi. Hein. Tu t'en sortiras pas, tu vas mourir. Non. Non, je ne vais pas mourir, non. Ah non. Ah! Mais sérieusement, par contre, ça c'est n'importe quoi. Hein. Je suis désolé, les flèches, ça passe pas à travers les murs. Hein. J'ai fermé la porte et je me suis fait buter après. Là. Elle était derrière moi, peut-être. C'est peut-être pour ça. Hein? Ok, d'accord.
C'est pas à comprendre. Je comprends pas les combats. Les combats de ce jeu, c'est... C'est une super attaque du chevalier de Zodiac. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que... Mais comment? Mais non! Pourquoi est-ce que je suis mort d'un coup? Oh là là! Et les animations, oh là là là, non, il y a plein de trucs qui sont... Il y a plein de trucs lourdingues en fait. Une lourdeur le combat. Oh là 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 là! Et hop. Oh. Oh, c'est horrible. Je te laisse, Archie. J'ai passé un agréable moment avec toi. Et ben pareil, solitaire. C'est toujours un plaisir d'avoir ta compagnie sur le live. Bonne soirée à toi. Merde, merde. Ah merde. J'aimerais bien mourir quand... J'aimerais bien ne pas mourir quand je dis au revoir aux gens. Ce serait bien, quand même. J'aimerais bien pas mourir. J'aimerais bien pas mourir. Ou même vivre, hein. Pourquoi pas, hein. Sinon... Quel enfer. En plus, je fais des trucs de temps en temps, je fais des animations, je fais des espèces de finish move, mais je suis pas du tout. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Quoi? Mais pourquoi? Il me bute d'un coup là. Pourquoi il me bute d'un coup? C'était quoi? Essaye pas de t'enfuir. Mais quoi? Oh, j'ai mérité. Plus à mon tableau de chasse. Rien faire. Faudrait au moins que je puisse récupérer peut-être un peu de vie parce que là sinon le combat corps à corps. J'ai entendu quelque chose. Quoi? Hey, toi, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vas mourir. Je peux rien faire. Il l'a bien mérité. Oh là là, je n'appelle un coup et je me fais mettre à l'amende. D'accord. Merde, je peux même pas parer son coup. Animation magique. Tu croyais peut-être en sortir, hein? Ah, je peux pas esquiver la flèche là? Y'a vraiment pas moyen? J'ai fait un saut, mais il m'attaque. Il me transperce en plein vol. C'était quoi? Putain. Faudrait que je bute l'archer en fait. Il était mort. On fonce dessus.
Prends ça! Cette fois, va tout! Putain, je peux rien faire contre l'archer là, c'est le cancer en fait. Comment je fais? Hey, toi ah hein reviens et bats-toi comme un homme. Tu pourras pas te cacher bien longtemps. Oh putain, tant pis, je vais me goinfrer. Est-ce qu'il y a des trucs là-haut? Attendez. Avant de faire l'abruti, épée courte, j'ai quoi comme épée moi? J'ai épée courte, damage 2. Voyons voir. Ah, ça vraiment, je suis extrêmement frustré par ce jeu. J'aime bien l'univers. Mais les combats, je me rappelle que c'est vraiment le... les punitions en fait. J'ai l'impression d'être puni quand je joue à ce jeu. Quand je me bats surtout. C'est n'importe quoi les animations en plus. Je sais pas si à l'époque c'était bien fait, mais là c'est pas bien fait. Hein. Beaucoup d'animations qui sont complètement complètement foirées. Quoi. Allez hop. On va voir, allez viens. Est-ce que j'ai quelque chose pour me battre un peu mieux? Flèche de feu, télékinésie. J'ai rien. Rien que je pourrais utiliser pour me battre davantage. Affinité magique, merde. Bouclier. Ah, c'est vrai que je pourrais mettre un bouclier, attendez. Ah oui, j'ai pas mon bouclier. Oh là 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 là. Putain. Attendez, est-ce que je perds la vie quand je protège avec mon bouclier? Ah, pas quand même. Oh. Ok. Ah, c'est pas ça que je voulais faire parce que je me suis pas rendu compte quand j'étais revenu en arrière. Je suis revenu en arrière. Et bim, t'es mort. Montre-toi. Quoi? Ah, où est-ce qu'ils sont? Ah putain, je me fais buter par derrière.
J'ai l'impression que tout le jeu, c'est de balancer des trucs sur les ennemis. Ouais. Comment ça se fait là que... C'est que cette arnaque. Ok. Ok. Venez maintenant. Jeter des caisses sur des gens. Allez, c'est bon. Ça, j'avoue, c'est classe quand même. Il y a plein de moments comme ça assez glorieux, mais... Le problème, c'est que pour 1% de ce moment-là, le reste... Il est mort, c'est bon. Non, mais en fait, j'ai compris, hein. Il faut balancer des trucs. C'est injouable, sinon. J'ai une nouvelle épée, mais est-ce qu'elle est pas mieux que l'autre ou... Ah mais elle l'a remplacée en fait. Ah, on peut pas récupérer peut-être... On peut peut-être pas avoir deux objets du même style. Sauvegarde. Ah bon. Oh, le truc à manger. Ah d'accord, donc il y a des boîtes aussi, des caisses qu'il faut absolument casser. Pour récupérer la viande. Voilà, ça va mieux. Ouais, ça va bien se passer. Alors moi je voudrais juste voir est-ce que je peux tirer une flèche là-dessus et voir le résultat. Ça ne sert à rien. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir une récompense. Mais c'est pareil ça. J'ai failli me le prendre dans la tronche. Hein. Quoi? Mais non, mais sérieux là. Oh là 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 là. On sait pas pourquoi les ennemis ils arrivent d'un coup là. Alors, est-ce qu'il reste quelqu'un là-haut? Non, je crois pas. Hein. Ça, c'est quoi ça? C'est une potion de soin? Ok. Je veux bien me battre moi, mais je sais pas où t'es alors. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai un tonneau là qui n'attend que toi. D'accord. Ça, je peux pas ouvrir.
super bizarres dans le jeu, même les charges en fait. Elles sont super bizarres. Et ça, ça fait une charge, mais c'est vraiment pas clair. C'était quoi? Jus de paix. Elles sont où? Mais ils sont où les ennemis là? Je comprends pas. J'arrête pas de parler là, mais. Mais vous êtes où? Où est-ce qu'ils sont en fait? Non mais franchement. Là je vais ici, je vais ici, je vais ici. Je fais quoi là maintenant? J'ai failli me casser la gueule. À part se casser la gueule, hein, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vous le demande, mais oui. Ah, il faudrait que je monte là-haut en fait. Oui. C'est ça. Je vais juste récupérer 2-3 trucs. Tac, il faut que je passe. Ah, il y a aussi ça aussi. Là, il y a le truc là-bas là où je suis descendu. Descendu ou pas d'ailleurs? Je sais plus. Non, j'étais pas descendu. Ah. Et voilà. Attention, Sarès. Si tu te fais tuer, ton père risque d'être fort contrarié. Tu... tu connais mon père? Oh oui, je l'ai bien connu. Qu'est-ce qu'elle a? Tu sais quoi? J'ai entendu un petit... Marteau... Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un tome de la forge du feu dragon... Alors je vais pas lire tout le lore. Hein. Ah oui, le craft, c'est comme ça. Oh là là, il y a tellement de trucs. Ok, non, peut-être pas. Je pense pas que ce soit vraiment... Il va y avoir des trucs comme ça pour crafter, mais... Vous avez trouvé votre premier anneau magique. Un anneau magique doit être équipé dans votre inventaire afin de permettre de bénéficier de son pouvoir. Vous ne pouvez équiper qu'un seul anneau à la fois, alors choisissez juste vicieusement en fonction des adversaires auxquels vous avez affaire. 10 points de mana. Je peux pas le déséquiper après, c'est ça? Ah, je peux pas le déséquiper. Merde. Ah si. Oh, mais c'est bon là. Choisir judicieusement ou pas forcément, hein. C'est ce qu'on veut en fait. Et alors Arantir l'a enfermé là-dedans et il a servi de déjeuner au goût. Oh. Sérieux. C'est terriblement sombre. Si vous voyez grand chose, ouais. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est Arantir. Ne fais pas de bruit. Sa puissance dépasse de loin tout ce que tu as pu connaître. Regarde, il ouvre un portail ici, entre l'antre des nécromanciens et les tunnels. Un tel pouvoir lui va donner à tout le monde. Et une diversion pour voler le cristal Chantilly sans être repéré par Arantir. Ah, ok.
Ah, il faut faire halte pour être discret. Et les mecs là-bas, si je passe là, ils vont me repérer. Je sais pas ce que c'est aussi le truc là, les deux arcs de cercle là, je sais pas ce que ça veut dire. Oh merde, y'en a un qui m'a vu, je crois. Il m'a vu ou pas? Hey, toi! Meurs! Viens m'aider! Allez! Allez! Viens m'aider! On fonce dessus! Viens m'aider! Ah, je fais n'importe quoi en fait. Parce que ça, j'aurais dû le faire depuis le début. Du coup, j'ai essayé de les buter seulement en leur donnant des coups d'épée. C'était beaucoup plus long. En fait, c'est hyper long de tuer des soldats à l'épée. C'est hyper long. Si tu t'y prends pas bien, ça peut durer des heures et des heures. Allez, l'arc. Voilà. Je vais manger un peu, moi, par contre. Hein, parce que j'ai faim. Non, par contre, la bouffe... attends, les trucs que je prends... toutes les choses qui se mangent, ça se mange de la même manière, quoi. C'est deux points de santé. Allez, les jambons que j'ai récupérés par terre... la taille du truc, ça aurait pu me régénérer beaucoup plus que ça, quand même. Ça aurait dû me régénérer beaucoup plus que ça. Bouge pas, toi, tu vas mourir. Bon, bah voilà. C'est fait. Tu t'en sortiras pas. Mais non, mais ça, c'est n'importe quoi, par contre. C'est n'importe quoi. Il fait des esquives ou quoi, là? Je comprends pas. Mon coup, il ne lui fait rien. Et lui, il me donne un tout petit coup de rien du tout. Et il me bute d'un coup. Est-ce que c'est lui? Oh non, oui. C'est chiant aussi ça. C'est à rentir. Ah là là. Ne fais pas de bruit. Sa puissance dépasse de loin tout ce que tu as pu connaître. Regarde, il ouvre un portail ici, entre l'antre des nécromanciens et les tunnels. Un tel pouvoir qu'il va donner à tout le monde. Avec révérence et sans hésitation. Ok. Non. Je vais pas vraiment faire ça en fait. T'es mort. Alors, des choses à casser. Toc. À manger. Sauvegardons ainsi. Et l'autre, du coup, je comprends pas comment j'ai fait. Parfois, j'arrivais à faire des finishes. Là, lui, je l'avais découpé tout à l'heure. Je l'ai décapité. Je sais pas comment j'ai fait. Par exemple là, il m'attaque. Ah, je peux faire une parade. Ah mais là il m'a fait un coup. Mais comment ça se fait là? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah putain. Ah les combats de ce jeu quoi.
Ok, je comprends rien du tout aux animations. Je sais pas, parfois il fait des finish moves super stylés, parfois il fait plus rien. Là aussi c'est pareil. Là. Comment j'ai fait? Je sais pas. J'ai réussi à le décapiter d'un coup. Et je sais pas pourquoi. Alors, antidote, potion. Qu'est-ce que t'as toi? Chris venimeux? Ouais, il y a plein de trucs, c'est quoi ça? D'accord. Le bâton. Est-ce que le bâton il serait pas mieux que l'épée? Requiert approcher d'eux. Le bâton il dit rien par rapport à l'épée. Putain, mais les animations qu'ils font par contre. Une animation beaucoup trop longue, hein. Je trouve. Putain, il a l'air d'être beaucoup plus mobile avec. On va voir. Il y a trop d'animations en fait, je crois. Anneau de maître d'armes. Ouais, pourquoi pas. Sabre vague des nagas. Et je peux pas les mettre. Maître d'armes. Maître d'armes. Et pourquoi je peux pas y accéder? Il faut avoir déjà mis 6 points de compétence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà mis, hein. Bon. Admettons. Du soin, je pourrais peut-être me prendre une potion, là, 10 points de santé. Ouais, ça va. Oh, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Petite sauvegarde. La forge, ça y est, je me rappelle. Comment ça marche en fait? On peut en fait... Attendez. Je fais ça. Et du coup on peut créer du métal? C'est peut-être pour refaire fondre le lingot. Pas clair. Et pour clair. Bon, donc faudrait qu'on fasse une diversion avec le mage là de tout à l'heure, là, mais je sais pas comment faire. On est allé ici, finalement ça nous a pas servi à grand chose tout ça. On garde pour pas perdre quand même. Même si ça nous a pas servi à grand chose.
J'ai mal au derrière. Je vais passer par ici. Parce que ici, ça a l'air d'être intéressant. Mais en fait, on peut pas y aller. Bah, du coup, n'y allons pas. Hey, aidez-moi! Aidez-nous! Faites-nous sortir! Les visages. Nous offrons nos vies. Avec ouvrez la cellule! On ne peut pas mourir ici! Que se passe-t-il ici? Une cellule ouverte. Quelqu'un a été négligent. Je serais très intéressé d'entendre son explication. Toi, occupe-toi de ces créatures. Je n'ai pas de temps à perdre. Ils partent dans quel sens, les soldats, là? Voilà ma chance. Prends le cristal! Menelag. Mais qu'est-ce que tu attends? Votre réputation semble s'être affectée. Au secours! Pour que... Parfait. Filons d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Trouvez-le tout de suite! Vite! Ils ont bouclé la sortie. Trouve la rivière, c'est notre seule chance. Par là! Ça fait penser à la façon dont l'histoire est racontée, les cinématiques, les voix et tout, ça me fait penser à Call of Juarez. Des comparaisons, hein, comme ça, moi, je fais des comparaisons bizarres, mais Call of Juarez. Sarès, réveille-toi. Ouais. Tu calmes. Qui est-il? Xana, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es? Ce rêve n'était qu'une malédiction de nécromancien. Et fais pas attention, mon chou. Je suis ton ami, ton allié, peut-être bien plus. Sarès, loué soit Ilas, vous êtes sauf. J'étais si inquiète pour vous. Cela a dû être difficile. Avez-vous trouvé le cristal? Dis-lui non, juste pour voir sa réaction. Oui, je l'ai récupéré. Merveilleux! Mais maintenant, les nécromanciens ont pris notre navire. Nous ne pouvons pas rejoindre l'île. Oh, si seulement mon oncle était là. Une minute. Sarès, pourriez-vous grimper à bord et abaisser la passerelle afin que mes hommes puissent aborder? Nous pourrions reprendre notre navire à Arantir. Abaisser la passerelle, menant au... Et tenez-vous prêt au moment où j'abaisserai la passerelle. Laissez-moi déplacer ça. Ouh, quel fou! Ouais. On essaie d'impressionner quelqu'un? Ça, c'est de la télékinésie, ça. Elle a l'air un peu fatiguée quand même. Soyez prudents. Ils ont posté des gardes et notre navire dispose de balises. Éliminez les gardes noirs qui contrôlent les balises. Moi, je vais en faire des... Vous avez perdu la tête? Léna ne vous fait plus confiance. Mais oui, mais bon, mais moi, je... Moi, c'est compliqué. Moi, les jeux comme ça où je peux taper des PNJ... Comprenez que, bon, je me sens obligé de le faire. Xana, oui, qu'est-ce qui se passe? Tout à chacun que c'est pas bien. Qu'est-ce que tu es? Voilà. Ce rêve n'était qu'une malédiction de nécromancien. Et fais pas attention, mon chou. Je suis ton ami, ton allié. Oui, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Sarès, loué soit Ilas, vous êtes sauf. J'étais si inquiète pour vous. Cela a dû être difficile. Avez-vous trouvé le cristal? Non. Dis-lui non. Ah oui, je l'ai trouvé, oui. Juste pour voir sa réaction. Oui, je l'ai récupéré. Merveilleux. Mais maintenant, les nécromanciens ont pris notre navire. Nous ne pouvons pas rejoindre l'île. Oh, si seulement mon oncle était là. Une minute. Sarès, pourriez-vous grimper à bord et abaisser la passerelle afin que mes hommes puissent aborder? Nous pourrions reprendre notre navire à Arantir. Je vais m'en occuper. Mais tenez-vous prêt au moment où j'abaisserai la passerelle. Laissez-moi déplacer ça. Ouh, quel fou! On essaie d'impressionner quelqu'un. Allez, hop, on y va. Bonne chance. Ah non! Soyez prudents. Ils ont posté des gardes et notre navire dispose de balises. Bon, ok.
Tiens. Oh, bouge plus. Tout ça va saigner. Les goûts de luxe de Ménélag s'étendaient apparemment à son navire. Quoi ça? Bâton de flèche. Bâton de quoi? Bâton des reflets, ah oui. J'ai même pas lire, hein, c'est horrible. D'accord, j'ai plein de livres. Ok. Les livres, j'ai peut-être les jetés pour avoir un peu plus de place comme sur moi. Ah, c'est chapitre nanana. Ah, c'était pour la forge en fait, ah ouais. Oh, j'aurais pu. Merde! Ah, j'aurais pu améliorer mon épée en fait. Oh, nombre de personnes qui doivent avoir pété un câble en me voyant faire ça. Désolé. Ah, soigne les blessures et régénère la santé. Permet d'envoûter des créatures hostiles et la force à combattre à vos côtés pendant quelques instants. Ça, c'est bien soin. Je prends le soin. Là, si je peux. Ah, ça marche! Oh là là! Oh putain! La flèche directe me semble être une mauvaise idée. Reste planqué, sinon on va y passer. Feu! Tuez-le! Oh, j'ai plus de vie là, putain. Je suis content d'avoir récupéré toute ma vie juste pour ça. Hein. C'était une bonne idée. Putain, et là maintenant je fais quoi? Je suis bloqué. Je suis bloqué. Tu vas mourir. Ok. J'ai même pas pu lui donner un coup. Les goûts de luxe de Ménélag s'étendaient apparemment à son navire. Allez hop, ça c'est fait. Oh, c'est vraiment too much animation en fait. Les animations pour tout et rien, si c'est lourd. Ça alourdit constamment. Préparez la baliste! Préparez la baliste! Tuez-le! Embrochez-le! La pousse directe me semble être une mauvaise planquée, sinon on va y passer! Reste planqué, non, c'est pas le bélier, c'est planqué, faut courir en fait. J'ai déjà essayé de rester planqué. Ça marche pas comme ça. Hein. Alors, voyons voir. Bon, déjà, c'est pas mal. Là, ça change un petit peu. Ah, le bâton aussi, je pensais que c'était une bonne idée. En fait, il est lent. Il est lent pour armer son couille, mais. Putain, mais. Mais c'est la baliste qui me fait ces dégâts, là? Comment ça se fait que ce soit instantané? Les goûts de luxe de Ménélag s'étendaient apparemment à son navire. Oh là. Merci pour le raid. Merci pour le raid, Elkinou. Bienvenue à tous. C'est une reprise, évidemment. Douloureuse et compliquée parce que ça faisait trop longtemps. Tout pareil. La bouche directe me semble être une mauvaise planquée, sinon on va y passer. N'oubliez pas, n'abandonnez pas des jeux comme ça. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Merci.
aussi pour Red Enkidu. Comment ça va? Je sais que tu as pas trop le temps, hein. Y'a pas de soucis. Ça fait mal. Est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que je vais pas être ridicule? Putain. Ce serait bien d'arriver à buter ce... Voilà. Ok. Comme d'hab le dimanche. Ok, ça marche. Pas de soucis. Est-ce que tu vas faire, si tu es encore là, est-ce que tu vas faire The Stanley Parable Ultra Deluxe? Le jeu du spoil. Est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que tu as déjà fait le premier jeu à l'époque? Oui, d'ailleurs, c'est pas compatible. D'accord. Très 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 envie de te voir dessus. Promis, je dirai rien. D'accord. Sauvegarde. Merde, je voudrais me soigner. Je peux pas parce que j'ai pas de robustesse, j'ai pas de maître d'armes, j'ai pas de furtivité, j'ai pas d'affinité magique. Quel enfer. Voilà. Ah mais non, mais j'avais oublié de prendre le truc, le soin là. Comment c'est le soin? C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Après, le seul souci, c'est que j'ai ce qu'on sait... On ne sait pas vraiment quand s'arrêter et un jeu sans fin, c'est chaud pour moi. Alors pour le coup, The Stanley Parable, je t'assure que c'est pas du tout un jeu sans fin. Pour le coup, c'est vraiment l'inverse. Ah merci Valpy. Oh là, il y a du monde. Waouh. Merci pour le raid. Il y a un certain nombre de fins. D'ailleurs, je sais plus le nombre de fins, mais c'est vraiment le jeu à faire pour un certain nombre de fins et après bah tu le ranges dans ta bibliothèque comme musée. Comment ça va Valpy et les gens? Salut Turbo Chias. mais un de mes alias, un de mes six ambitieux et originaux alias. Ah, je vais crever, je me sens que je vais crever. Qu'est-ce que c'est que ces tirs là? Je sais pas d'où ils tirent en fait. Ils sont là-bas. Toi, je vais te faire le taunt de l'homme des sables. Nightwolf Enzo, bonjour. Bonjour Nightwolf. Okay, ouais, mais tu sais pas vraiment combien de fins et il y a 100 de spoil, peut-être que c'est long et répétitif. Ah, c'est... En vrai, non, vraiment, hein. Vraiment, il y a des jeux beaucoup plus frustrants à ce niveau-là. Et on en reparlera. On en reparlera. Ça marche qui nous... À louche, au plaisir. Et bon appétit à toi aussi, Valpy. Et merci pour le raid. Oh, cœur. On est sur... Ouais, mais qu'est-ce que c'est? On est sur Dark Messiah, évidemment. Oliver, Sky, Cassidy, Cassina, In the Sky. Oh, le soleil. Alright, merci Nightwolf. La nuit est bien plus belle avec des loups-garous. Ou avec des loups tout court. Les loups rendent la nuit plus sympa. Non, c'est faux. Pourtant, je suis sûr que ça peut devenir vrai. Comment ça va les gens? Comment ça va? Connaissez-vous ce jeu? Non, parce que moi je ne le connais pas, je le découvre. C'est un vieux jeu. Okay. Un vieux jeu qui n'a aucune pitié pour ma pauvre personne. Pour ma pauvre et délicate personne. Oh, je me le suis pris. Vraiment dans le corps. Comment je peux faire? Attendez. Ah ouais. Je vois, d'accord, très bien.
Prends soin de ton corps, Sarès. Il serait dommage de l'abîmer. Merde. Doucement maintenant. Ces quartiers ne sont pas adaptés au combat rapproché. Tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Tu peux pas mourir, hein. Je t'assure, hein. Je t'assure. Voilà. Je t'assure, ça fait pas mal. C'est pourtant bien que je dis ça. Il y a un truc, vraiment, il y a vraiment un truc qui va pas dans ce jeu. Les animations, mais. Un coup, si ça va, et un coup, il y en a 10 fois trop. Ça. Ok. Donc nous avons terminé The Stanley Parable Ultra Deluxe, quasiment. Si on a fini pas, avec Max Payne 3. J'ai entendu quelque chose. Ah, merde. Je suis aussi silencieux qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bonjour. Bonjour. Merde. Ok. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On bouge pas, toi. Ok. N'importe quoi ce que j'ai fait au corps à corps. Mais bon, ça a marché, voilà. Alors écoutez, mais à un moment donné, il faut pas non plus être... Faut pas être rabat-joie. Hein. Soigne-toi. Soigne-toi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va grimper. Est-ce qu'il y a pas des dagues aussi? Il y avait des dagues que je pouvais balancer à un moment donné, mais... Comment ça fonctionnait? Est-ce qu'il fallait les récupérer ou est-ce que c'était des dagues magiques? C'était un pouvoir? Je ne sais plus, il est quelle heure? Il est 19h15, donc on a encore en principe 3/4 d'heure. Ça devrait pas poser de problème. Potion de mana. Soin de soin. Putain, un truc. Ah, on est bien. Ça aussi, ça c'est le genre de truc sur lesquels je suis censé pouvoir les buter les ennemis en leur donnant un coup de pied et les poussant en dessus. Alors là par contre... Attendez, mais à quoi ça sert ce que je viens de faire là? Je suis venu là... Mais on en est toujours au même point en fait. Oh, j'ai pas la clé. Où qui naît la clé? Ce n'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres, mais qui se ressemble, ça semble. Eh oui. Merde. Je sais pas pourquoi je tape des jambons. Inutile de me le demander. J'aime parfois provoquer la chute d'objets. De manière inopinée. Que j'ai ici. Les signes sont très clairs depuis 20 ans. Depuis la guerre de la reine Isabelle. Les derniers mots de la prophétie du messie démoniaque sont en train de se réaliser. 10 siècles, et c'est tout. C'est ce qu'a prédit celui dont on ose dire le nom. C'est une chance que le Seigneur Arantir soit prêt à jouer son rôle, comme il a été décrété. Puisse la mère du silence bénir notre œuvre et guider nos mains lors de l'accomplissement de notre saint labeur. Quand je pense qu'ils croyaient nous avoir tous exterminés il y a 20 ans. Et avant eux, les magiciens et bien d'autres. Mais quand tous auront été réduits en poussière, nous serons toujours là. D'accord. Quand on lève ton encre. On manque encore.
encore de non-morts pour manœuvrer les voiles. Le seigneur Arantir va en ramener. Oui, entre-le à la mer du silence. Oh punaise. Oh la vache. Oh, quel horrible cauchemar. Il existe des cauchemars qui ne sont pas horribles. Je ne sais pas, mais quel horrible cauchemar. C'est horrible. Dommage de l'abîmer. Oh non, mais non, par contre, non. Doucement maintenant. Ces quartiers ne sont pas adaptés au combat rapproché. Bouge pas, toi. Je vais pas mourir. Putain, mais je peux même pas le buter. Je donne des coups de bâton sur sa tête. Je suis obligé de répéter l'animation en boucle. J'ai l'impression que ça lui fait pas de dégâts. Pas souvent, pas suffisamment. Doucement maintenant. Ces quartiers ne sont pas adaptés au combat rapproché. Je crois qu'il est parti par. Hé, toi ! Putain. Je vais te vérifier s'il était seul. Ah, le bâton, je suis pas fanat en fait. Doucement maintenant. Ces quartiers ne sont pas adaptés au combat rapproché. J'en essaie pas de t'enfuir. Et bim. Ah mais il est mort. Ok. Exactement ça que je voulais faire, mais. Mais bon. Ça fonctionne comme ça, écoutez. Plus de 3 heures de garde. Arrêtez de ronchonner, c'est pas difficile. Si je ronchonnais pas. Allez. Bon. Suivant. Comment ça se fait qu'il est mort? Ce mais c'est pareil. Bien de fouiller dans les affaires des autres. Il y a des bugs de collision, t'entends? Ça semble. Il est juste tombé par terre et il a eu une convulsion et il est mort. Tellement bizarre. Garde. Les signes sont très clairs. Alors là, par contre, c'est des ennemis quand même très très chiants à filer à bout de soi. Les quasi flèches de feu, peut-être, mais c'est de voir avec les flèches de feu. Sont en train de se réaliser. 10 siècles. Et on s'aligne pour moi. Ne pas. Je vais pas mourir. Merci beaucoup hein. Ah, il y a vraiment un truc qui va pas avec les combats quoi. Je me répète mais franchement. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ici? Mishmush, 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 mishmush.
Bonsoir Mishmush. Ce bon vieux Dark Messia, oui. Un plein de personnes comment dire, ils ont joué à l'époque, j'imagine. Moi, j'ai pas joué à l'époque. J'ai pas cette espèce de nostalgie. Merde. Hey, vous, première fois. C'est ça. Et on joue en moyen. C'est une drôle de cargaison qu'il transporte. Je me demande ce qui se passerait si on ouvrait les cages. Oh ouais. Tu t'en sortiras pas. Je t'en approche et accepte. Y'a pas des trucs à balancer? Putain, j'ai pas rien à balancer! On a des ennuis! Non! Vite! Oh putain! Ah, quel enfer! Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Et voilà qui se prend pour le capitaine Crochet. Oh, les combats, c'est anarchique. Oh là 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 là. Oh non, il faut que je me refasse le truc là, c'est ça? Les signes sont très clairs depuis 20 ans. Depuis la guerre de Marie-Isabelle. Les derniers mots de la prophétie du Messie démoniaque sont en train de se réaliser. Réper toi, sale bête. Tiens. Tiens. Don't be afraid. C'est rapide, t'as raison. Tiens, je vais te prendre, je vais te prendre pour un héros. Tiens, tiens. Mais non, c'est pas hérétique, c'est Dark Messia. Ils connaissent rien ces mobs. C'est ça. Ouf. Bon, voilà, on est bien là. Oh, je suis bien là. Oh, je suis bien là. Oh, je bouge plus. Du coup, ouais, j'ai vraiment pas du tout joué à ce jeu à l'époque. Pourtant, je me rappelle avoir vu des cinématiques, des trailers et tout. Mais jamais je n'y ai joué. Et là, soudain, j'avais terminé le jeu tout à l'heure. J'ai terminé Max Payne 3 et un tout petit jeu après. Je savais pas à quoi jouer. Et j'avais encore ça d'installer dans mon... dans ma bibliothèque. Donc voilà. Pourquoi tu commences? Hey, c'était quoi? Vous, libérez-moi! Libérez-moi! C'est une drôle de cargaison qu'il transporte. Je me demande ce qui se passerait si on ouvrait le cœur. Contourne-le! Reviens! Ébats-toi comme un homme! Reviens, et pas que tu vas me le payer quand je vais mettre la main. Ah, je crois qu'il est parti par là. En fait, je pense qu'on va jouer très sale. Mais alors vraiment très sale. Aucune pitié, hein. Mais alors vraiment... Oh, c'est con, hein. Oh bah c'est con, tu t'es tombé, dis donc. Oh. Oh bah dis donc. Reviens, et bats-toi comme un homme. Ah. Il veut pas mourir hein, par contre. Hein.
Tiens. J'arrive pas par contre à... Et il est mort lui. Ok, je crois que c'est bon. Oh non. Alors ça, c'est le deuxième plantage que j'ai depuis tout à l'heure. Ça commence à bien faire quand même. Je ne sais pas si on va réussir à terminer ce jeu un jour. Si on va réussir un jour à juste y jouer, quoi. Quel enfer ! Ah, attends, j'ai bien fait de faire une quick save 2 secondes avant. Hein. On dirait que je savais que le jeu allait planter. Oh là là là. Allez. Ah, il se laisse pas faire le jeu. Défaut, oui, il crache un peu, mais autant qu'un BioShock Remaster. Mais pas autant qu'un... Ah merde, le BioShock Remaster, il crache beaucoup. Merde, parce que je l'ai, moi. Je comptais le faire. Bon. Merde. Et Pac-Man ! Comment ça va, Pac-Man, aujourd'hui ? Bonjour, bonjour. Pac-Man, je le vois de la même couleur que Mishmush, c'est-à-dire en vert. En vert contre tous. Et rond comme un ballon. On fait comme un, on fait avec. Approximativement 3 heures de sommeil. Oh là là, mais je sais pas comment vous faites. 3 heures de sommeil. Moi, si j'ai pas mes 8 heures, j'ai la tête dans le cul. Hein. J'ai la tête dans le cul. Et le cul, bah, dans le brouillard. Hein. Ah, la tête dans le cul dans le brouillard. Hein. Ça, c'est. Bah, alors là. Pff. L'épée de l'ongle. Ouais. C'est la taille qui compte. C'est pas un choix. Non, mais je me doute bien. Je me doute bien que c'est pas un choix. Mais toi, d'habitude, tu dors combien de temps Le mieux, c'est 7 heures, non? 7 ou 8 heures. Je suis très très mitigé sur ce jeu. Là, par exemple, j'aime bien toute l'ambiance et tout. Mais les combats, c'est... Il y a tellement de bonnes idées et tellement de mauvaises en même temps. Semaine 6h30. 6h30 de sommeil. Essaie pas de t'enfuir. Meurs. Oh merde. Allez, t'es mort, c'est bon. Ça va saigner. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ça aussi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous avez vu avec quoi il m'attaque là ? Il m'attaque avec rien. Il a rien. C'est n'importe quoi. Et là, brusquement, il a une épée. Tout à l'heure, il n'avait pas d'épée et il m'attaquait avec rien. Le kick de l'espace, ah ouais. Ça pour le coup, c'est vraiment le plus fun du jeu. C'est la gestion de la physique. Ça, c'est très très rigolo. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart du temps, quand j'arrive à buter des mecs, en fait, c'est avec la physique. En balançant des objets, je crois que tout le monde fait pareil. Mais bon. Putain, j'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'il a à faire ? Yo, my dear. Jackie boy. Quel plaisir. Comment ça va? Hello my darling. Je sais plus comment c'est.
Hello Dolly. Ah merde, je sais plus ce que c'est. Hello Dolly, hello Dolly, hello Dolly. Non, je sais plus. Hello my darling, hello my darling. Bref. Bref, la blague qui dure beaucoup trop longtemps. Ah, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Bonjour. Je vais manger et après je vais vous tuer. Ne faites pas attention à moi. T'avais dit de pas faire attention à moi là, non. Oh, écoute. Il est mort? Ah mais il est mort. Ça va, on fait aller tout de suite juste la même situation que tu sais, mais là ça va, je passe un peu. Après je go reposer mon esprit, c'est Mako qui bug ou les saccades sang viennent de ton côté. Alors on m'a pas dit. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'utilise une baliste et je me prends une flèche à l'instant même. Vous me prenez pour un gland, c'est pas possible. Alors j'ai. En principe non, hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est la première fois que j'entends ça d'aujourd'hui. Je serais tenté de dire que c'est taco. Bien que je n'ai rien contre les tacos. Oh my darling. Non mais attendez, non mais vraiment, attendez, c'est quoi la flèche que je me suis pris tout à l'heure là? On est d'accord que c'était n'importe quoi là. Je me suis pris une flèche de la baliste dans laquelle j'étais. C'est ça le truc? C'est cette histoire là, je me suis pris au moins la moitié de ma vie dans la tronche. Cadeau. Oh, le bug quand même, il y a beaucoup de bugs. Hein. Éliminer toute menace sur le quai. Bref, comment allez-vous? Ça va la forme? Archiboy. Archiboy. Ça va, écoute, ça va bien. Du live Twitch comme je les aime. Des jeux que j'arrive à terminer. La frustration moins présente. Moins de frustration. Plus de plaisir. Ah! Attendez. J'ai besoin d'aide. Viens m'aider. Concentre dessus. Ils sont où? Il est là. Je l'ai pas vu lui. Oh merde non! Oh putain la loose! La loose quoi, j'ai le mission, j'ai le message de mission à victoire. Et je meurs juste après. Tant mieux, content de savoir. Oui, je tout va bien de mon côté. Ah bon, ils ont retiré le service de Twitch avec leurs applications? C'est quoi ça? Je sais qu'il y a des choses qui sont plus là maintenant, le host, ça, t'as plus l'alerte pour le host. Bonjour. Oh, ouais. Allez, crève. Pas d'histoire. Et pas, je l'ai vu passer en étant sur l'appli justement, et je buguais deux fois plus sur l'appli. Merde.
Ah, l'appli sur smartphone. Je m'en sers pas souvent en fait. Merde. Et ces portes qui m'envoient en vacances. Oh. Ah, robe de magicien. Oh, ah, oh, ah. Bon, j'ai pas de quoi l'utiliser, mais oh, ah, oh. Vous voyez, d'accord. Faudrait-il que je joue magicien? Je ne pense pas. Même si ça pourrait être drôle. Je ne pense pas. J'évite de penser d'ailleurs. J'ai trop mal à la tête. On s'en met plein à la panse, d'accord. Mais penser, c'est une autre affaire. C'est entêtant. J'ai un balai. Et avec ce balai, Bon. Non, oublions le balai. Je comptais combattre le terrorisme, mais... J'ai bien mérité d'y aller. Ah ! Passe à gauche ! Putain, je vais mourir juste parce que j'ai... Non, mais s'il vous plaît ! Quelle honte. Merde! Non, je peux pas fermer ça! Non. Ah! Ah! Je suis bloqué! Il s'est en train de cramer de feu en plus! Il brûlait! J'ai pas vu ça après l'appli de. Ah, y a souvent eu des problèmes sur l'appli? Est-ce que c'est la même appli que j'ai, moi? J'avais une appli, ouais. Il y a une appli sur mon téléphone, mais j'ai pas vu autant de soucis que ça. Oh my darling, oh my darling. Ah oui, il le lance tellement loin, le balai. Du balai, comme dit l'autre. Est-ce que, éventuellement, il y a un moyen de s'infiltrationner? Le kill discrétieux. Merde. Je dois monter, s'il te plaît. Merci. On fonce de tout. Tu ne peux échapper à ce qui est partout. Tu peux m'échapper, mais tu n'échapperas pas à la mort. Ah mais on va jouer comme ça hein. Moi je sais pas jouer autrement en fait. Quelle honte. Mais les explosions, elles ont un radius énorme, là. C'est complètement cheaté, ces explosions. Pas assez de mana. En plus, quand je sors mon... J'ai l'impression d'entendre un bruit de sabre laser. Luc, la force est puissante dans ta famille. Oh!
Tiens, barre-toi. Passe à droite. Allez hop. Alors, fais-moi de malin maintenant, hein. Il sait plus nager, le soldat. Je crois que la voie est libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Va pouvoir grimper à bord de son joli petit bateau sans se faire empêcher. Pourquoi est-ce qu'il y a des ennemis d'un coup? Ils sont... Mais donc pouvoir abaisser la jolie petite passerelle, alors. Ça reste. C'est bizarre, quand même. Hein. Par quoi les ennemis tu les tues d'un coup? Je m'en réjouis, mais je n'arrive pas à comprendre. Peut-on se réjouir et ne pas comprendre? Bah, oui. C'est évident, ça. Toute évidence. Alors, attendez, j'ai des points à mettre. Oui. Asservissement, souffle de glace, piège de feu. Pas ah, permis dans le magazine jusqu'à... Oh, ça c'est bien ça. Plus de santé. Très bien. Moi aussi je peux balancer des flèches de feu, mais ça prend tellement de temps à équiper, à balancer l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. À quoi bon? Faut que j'utilise le gouvernail. Est-ce que je tape dans la cloche? Je sais plus où est-ce qu'elle m'a dit de venir, Miss Tinguette. Madame, où êtes-vous, madame? Où je redescende peut-être? Plus où c'est. Ou je la libère peut-être, simplement. Mais où est-elle? Quoi ça? Anneau de force, barre d'enflamme. Anneau de force. Oh, je veux un anneau de force. Comment on fait là, attendez. Je peux pas avoir le briefing ou le... si je fais U, L, Book, H, J, K... Je peux pas avoir le rappel de l'endroit où je dois aller. Oh là là... Je suis bloqué. Fantastique. C'est vraiment pas ce que je voulais. Qui pourrait vouloir telle chose? Elle est où, madame, là? Je comprends. Elle est où, la dame de Haute-Savoie, là?
Elle est où? Ah, il fallait... il fallait faire action. C'était logique. Une icône représentant les points de santé de Lena est apparue en haut à gauche. Si j'ai pas le temps de lire, je comprendrai quand même. Et qui le mec derrière elle, là? Vous êtes étonnant, Sarès. Je vais libérer l'équipage et préparer le départ du navire. Quoi? Empêcher ces créatures de monter à bord. D'accord, je vais les retenir. On fait le joli cœur pour l'autre jolie fille? Empêcher les gardes noirs de capturer le navire. Nous allons lever l'enfant. Empêchez-les de monter à bord. Protégez la passerelle. On dirait que les nécromanciens ont trouvé des renforts. Arrêtez-les. Au moins, ils ne peuvent arriver sur toi qu'un par un. Soyez prudents. Merde. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Nous sommes presque parés à partir. Tenez-moi. Elle en a bonne, elle. Voilà. Il y a des trucs bizarres, t'entends? Je comprends pas du tout. Tu vas mourir! Ah. Quoi? Comment ça, elle est morte? Ils ont même pas sur le navire. Ils ont réussi à la sniper à l'arc, je parie. Et quelle indignité. C'est tendu quand même. Franchement. Arrêtez! Oui, mais je me suis gouré. Oh. Pas de quoi ne plus me faire confiance. J'ai juste jeté une caisse sur quelqu'un là. C'est tendu, hein. C'est tendu. Bah oui, mais bon, voilà. Oh là 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 là. Vous êtes étonnant, Sarès. Je sais. Je vais libérer l'équipage et préparer le départ du navire. Oups. Empêcher ces créatures de monter à bord. D'accord, je vais les retenir. On fait le joli cœur pour l'autre jolie fille, Est-ce que... Nous allons lever l'enfant. Empêchez-les de monter à bord. Protégez la passerelle. Je crois qu'il a du mal à trouver le chemin. On dirait que les nécromanciens ont trouvé des renforts. Arrêtez-les. Au moins, ils ne peuvent arriver sur toi qu'un par un. J'arrive pas à jouer sérieusement à un jeu comme ça, moi. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Nous sommes presque carrés à partir. Elle en a de bonnes, elle. Oh, purée. Alors, attendez. Sinon, j'ai zappé, mais là, je me repose. Mais sinon, avec toute l'énergie dispo que j'ai, là, je me remets à refaire plein de trucs d'art. C'est écrit des trucs, puis je reprends des trucs cool en musique. La gratte et tout ça. D'accord. Bah, c'est cool, ça. Ah, mais je suis pas vraiment musicien. Quant au dessin, je me débrouille. Je fais des trucs dans le temps. C'est bien ça, si le moral revient, on va faire des trucs. Merde. Non, j'ai même pas eu le temps. Mieux de vérifier s'il était seul. Mais oui, mais d'accord, mais mon cul sur la commode là, mon cul sur la commode. Zut, hein. Écoutez. Oh, écoutez. Vous êtes étonnant, Sarès. Je vais libérer l'équipage et préparer le départ du navire. Empêcher ces créatures de monter à bord.
D'accord, je vais les retenir. On fait le joli cœur pour l'autre jolie fille ? Allez, sauvegarde. Je dessine bien, ouais, c'est gentil. Je me marre bien en tout cas, ouais. Nous allons lever l'ancre, empêchez-les de monter à bord, protégez la passerelle. On dirait que les nécromanciens ont trouvé des renforts. Arrêtez-les. Au moins, ils ne peuvent arriver sur toi qu'un par un. Je sais pas si je dessine bien. Soyez prudents, vous allez vous faire coincer. C'était quoi ? Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Je suis pas régulier en plus. Hein. J'ai déjà dit, hein, mais. Elle en a de bonnes, elle. Oh putain, ça aussi, là, regardez, c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je donne des coups et ça fait rien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'art, c'est vraiment un truc où je suis mauvais. Oh, bah pourquoi tu ne faut pas dire ça, Pac-Man. T'as peut-être d'autres façons d'exprimer ton art. Et autant de manières de créer que d'être humain, j'en suis sûr. Allez, barre-toi. Eh, c'est bon. De l'art à le cochon. Ok. Ah, t'entends, j'arrive à faire des trucs, hein. T'entends, j'arrive à faire des trucs de fou. Tu vas mourir. Prends ça. Merde. Non. Hors de ma route. Défends-toi. Allez, bim. Ne me touche pas. Quoi? Il y a encore quelqu'un qui veut te taper, Jessica? Bonne soirée les poutous, bonne soirée. Bonne soirée Oliver. Aïe 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 aïe. Tu vas mourir. Tiens, casse-toi. Casse-toi de là, t'es pas de ma bande. Et il marche à l'ombre. Allez hop. Seulement j'arrivais à aller. Ah. Archiboy, je demande juste comme ça, tu serais convertir un court format audio d'une minute en fichier MP4 ? Oh, je sais pas. C'est, il est en quel format ton truc ?
Et des convertisseurs web aussi, ouais. Cette semaine, je bute là-dessus, donc je trouve aucun moyen, mis à part peut-être acheter un logiciel pour juste cet audio. Ça dépend. Audacity. Oh putain, je connais pas. Pac-Man a l'air d'avoir un peu plus de connaissances que moi. Nous allons lever l'ancre. Empêchez-les de monter à bord. Je dirais qu'il faut voir peut-être qu'est-ce que c'est que le format de ta. On dirait que les nécromanciens ont trouvé des renforts. Fichier, peut-être déjà. Au moins, ils ne peuvent arriver sur toi qu'un par un. Tu t'en sortiras, j'ai entendu quelque chose. Oh, défends-toi, ça va saigner. Soyez prudent, vous allez vous faire coincer. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Nous sommes presque pas. Elle en a de bonnes, elle. Non mais comment ça se fait que je me prenne des flèches t'entends là comme ça là. Et celui comme ça aussi, c'est je sais pas très bien pourquoi t'entends les coups de rien et t'entends ça fait des dégâts colossaux. Tu vois. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça marche pas. Ouais. En fait, je ne sais les buter qu'en leur donnant des coups de pied, en les balançant dans la flotte. Hein. Ça va plus vite, hein. Franchement, ça fatigue moins, enfin, vraiment. Hein. Bouge pas, toi. Allez. Et pas toi comme un homme. Non, putain, non, mais vous êtes sérieux, là. J'ai sauté et il me met dans en dessous. Ah, je suis mort là, vous avez vu. Je vais mourir. Ah, oh, ça sent la défaite là. C'est bon, on s'en sort. Là, parfois j'ai le truc de frénésie là, peut-être qu'il faudrait que je combatte d'ailleurs dans ce moment. Ah oui c'est ça, il faut se battre seulement contre un frénésie. Frénésie c'est chouette. Hein. Vive la frénésie, mangez-en. Non, par contre ça sert de quoi. Ce qui m'énerve aussi c'est les archers comme ça, tu lui donnes des coups d'épée et il moufte pas, il se passe rien. Il est même pas genre assommé, non, il continue à bander son arc. Comme si tu venais juste de lui faire des guillis, quoi. Même pas, enfin, c'est moins utile que de faire des guillis. Hein. Même en faisant des guillis, il serait déconcentré. J'ai plus de PC actuellement, je pense pas qu'on puisse avoir Audio. Ah, Audio City sur mobile et du mobile, j'ai déjà essayé aussi plein d'expériences. Voilà, je sais pas, là, je t'avouerai que c'est peut-être chaud pour moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Pourquoi tu joues? Il est tout proche. C'est marrant parce qu'il est pas si moche hein, par contre le jeu. Hein. Il y a franchement de beaux restes. Hein. Il y a franchement de beaux restes. Mais il y a des trucs de temps en temps qui sont cassés quoi. On dirait qu'il y a des animations mais. Un truc qui va pas. Il y a un délire d'esquive. Ah j'ai une meilleure armure maintenant. J'ai quoi? Parchemin de boule de feu. Permet de lancer boule de feu lorsqu'il est utilisé. Ah bah poussez-moi, je vous dis rien. Sur l'île. Je n'aurais jamais cru. Vous êtes fantastique.
Il serait temps de t'en apercevoir, ma petite. Tarzan, occupez-vous de l'équipage. Sarès et moi allons lever l'ancre. À vos ordres, mademoiselle. Je le fais sous de glace, soin. Sarès, vous venez avec moi? C'est... important. Permettre d'emmagasiner jusqu'à 40 points de mana. Voilà, voilà. Et là, du coup, j'ai la robe de magicien. Je vais essayer de rediriger les gens sur un lien à partir d'Insta, mais apparemment tu peux pas mettre tous les liens que tu veux non plus. Vraiment une misère vu la technologie actuelle. Alors. Je ne sais pas comment vous le dire. Sarès, quand mon oncle est mort, j'ai cru que demande tout à était Harry, perdu. Peut-être, ouais, je pense qu'il sera plus à même de t'aider. Mais vous avez réussi à reprendre le cristal, le navire. Vous nous avez tous sauvés. Et dites-moi, vous m'avez sauvé. Pitié, arrêtez la guimauve, j'ai la nausée. Je voulais juste vous remercier encore une fois et vous dire que je suis vraiment heureuse de vous avoir à mes côtés. Tout est paré, mademoiselle. Oh, oui, hissez les voiles, Tergon. Ça y est, on y va. On pourrait ouvrir une fenêtre. Il fait un peu chaud soudain dans cette cabine. Je suis tellement bon moment, savoir le coup de pompe du sport de ce matin là. Courbaturer un peu aussi. Je le serai plus demain. La muscu du dimanche matin. Vous dansez divinement, Seigneur Arantir. La muscu du dimanche matin. Nous sommes tous engagés dans une danse bien plus grandiose. J'en ai simplement étudié les pas plus longtemps. On dirait Géman de Gareth de Alphabet. Tiens, et qui voilà. Comme c'est aimable de vous joindre à nous, Sarès. Cherchez-vous des réponses sur votre destinée? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il saura bien assez tôt. Venez, Léana, dansons avec lui, aussi longtemps qu'il nous le permettra. Ça me donne envie de jouer à Zotre. Ah! Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la dernière. Ça me donne envie de jouer aux autres jeux de Arkham. Arkham Studio. Dishonored et. Voici donc et, la fameuse. Il y a Deathloop aussi, dernier jeu. Oui, Sarès. Notre campement se trouvait de l'autre côté. Une chance. Cette île est truffée d'orques et de gobelins belliqueux. Leurs tunnels s'étendent sous toute la surface du temple. Leur haine est hélas justifiée. Les magiciens ont créé les orques pendant la guerre de la Lune Sanglante, en mêlant du sang de démons et de la chair humaine. Et ils ne vont pas apprécier de nous voir débarquer. Il ne semble pas y avoir d'orques sur la plage. Nous arriverons peut-être à les éviter, même s'ils protègent les environs du temple. Allez, il faut y aller. Attends, mais comment ça se fait qu'on soit trois d'un coup, là? Ah, mais elle a créé un soldat, en fait. Il y avait quoi? Il y avait une caserne dans le... Brouhop. Brouhop. Vas-y, trop... Pourquoi on est trois, là? On est quatre, même. Il y a eu du Sarès, renfort. Vite. Ok. Brouhop. Mademoiselle... Cet homme est blessé. Occupez-vous de lui. Tout de suite, mademoiselle. Que s'est-il passé? Des orques. Venus du temple. Brouhop. Nous ont repoussés. Ont bloqué l'entrée. Des hommes encore piégés. Ils en veulent un Paokai. Paokai. Kohima est victime de paralysie. Ah non, délivrer. Non, c'est pas Shelky. Mais venez avec nous, Sarès. Salut, Aaron Blackwell. Bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'un Paokai? Un dragon dégénéré. Mais il n'y en a pas dans la région. Qu'Ilas nous aide s'il y en a. Est-ce que tu vas bien? Allons-y. Salut, ça va? Guerrier, chasseur, Gabriel, araignée à parler. Ces voleurs et alliés des démons ne doivent pas souiller notre sanctuaire. Bah, je vais te le souiller, moi, tu vois. De vos serments, de vos ancêtres, pour le clan, pour le sang. Arrête! Pour la horde. Ah non, c'est pas le même jeu. La bière fatiguée, mais le moral est bon. Et toi? Bah moi, pareil. Le moral est bon. Un peu fatigué par rapport au sport de ce matin. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Découverte. Un bateau est arrivé à
avec tes humains. Un étranger. Ne me touche pas. Abomination. Ne me touche pas. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Étranger, tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Lena est morte, que désirez-vous faire maintenant? Mais non, mais comment ça elle est morte? Mais elle est nulle. Nulle, nulle, nulle. Putain, c'est pas vrai. Lena, à chaque fois, son mot magique, c'est « Ne me touche pas !» Ne me touche pas. Adèle est morte. Comment elle va faire là pour chanter Skyfall? Aïe. Mais non, mais tu sais même pas tirer là. Non, non, s'il te plaît, Adèle. Un peu de respect, quoi. Elle est morte, Adèle. Non, mais je comprends pas. Il y a un truc vraiment que j'arrive pas à comprendre avec les animations. Faut peut-être que j'y aille moins bourrin. Faut que je joue moins bourrin et que j'essaye de faire des parades. Tendre. Allez, on va essayer de faire des parades. Vive la charcute, c'est ça. La mort de l'étranger apportera de l'honneur humain. Les Ah oui, c'est les orques, ça rigole pas. Hein. Là, c'est, on est quand même. C'est un autre délire. Hein. Il y a une différence culturelle. Ah, on peut taper dans les cadavres. Et ça fait splou. Vive la charcute. Eric. Ok. Ne me touche pas! Oh non, tu l'as touché, alors là. Tiens! C'est bon, il va. On a eu un. J'ai pas une meilleure épée là? Non! Oh. C'est quoi ça? C'est un méchant ça! Viens! Tiens! Et devinez quoi, c'est quoi le meilleur dans toute cette histoire? C'est quoi le meilleur dans cette histoire, hein? C'est quoi le meilleur? Et bah c'est qu'il est 20h. Bordel de nom de pion. Et on m'appelle pour aller manger. Et voilà. C'est ça le bonheur. Il est où le bonheur, hein? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. On va buter un dernier orc et après je vais aller barrer. Je vais me barre manger. Oh non! Oh! Oh quelle honte! Non! Elena! Quelle honte. Ça veut dire encore 12 heures de stream, ça. C'est ça. Il est quelle heure? Ah, il est vraiment... Ah, merde, il est 20h13, même. Bon. Les petits filous.
Les petits filoutubes, les amis, je vais devoir vous laisser là, du coup. Je suis désolé. C'est honteux de faire monter la mousse et de la jeter si tôt à la poubelle, dans l'évier. Mais c'est comme ça. Bon, mais ça m'a presque quand même redonné envie d'y jouer, ce jeu. Mais vraiment, c'est une habitude. Hein. Les combats... Les combats, c'est pas ça. Est-ce que je peux venir dans le menu principal? Oh, super! Ah, même pas de menu principal pour terminer le jeu. Quelle honte. Et quelle honte. J'aimerais bien juste avoir un menu principal, s'il vous plaît. Pour avoir la musique, ou je sais pas, quoi, quelque chose. Ah, tant pis. Le jeu plante. Bon. Sur ce, les amis, merci à vous. Merci pour votre compagnie qui fut franchement pas mal. Alors, nous avons qui encore? Nous avons qui parmi nous? Nous avons Marc le Chat, Aaron Blackwell, Bruno 5783, Isis 87, Kaji 7up. Oh là, il y a tellement de gens. Des gens qui sont sans doute des gens ou ce sont des bots? Non, il y a des gens, j'en suis sûr. Ce sont des gens, de vrais gens. Kisco, Kyuki, Mazamoon Boy, Mishmush, Mielemia, Narvek, Pac-Man, Rond comme un ballon, Jolly Boy, School and Synergy of Life, Sweet Holy Hair, Valfi, et peut-être Chipuf ou Toxicose 117. Écoutez les amis, bon appétit, voilà, bon appétit à vous, bonne soirée, prenez bien soin de vous, et encore merci. C'est chouette, hein. Je reviendrai, hein. Promis. Allez. Tchuss. Oui, je sais que tu es un bot. Ne le nie pas.